Salut tout le monde, c'est l'Alchimiste, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo sur Dragon Ball Legend, toujours en compagnie de Paul. Coucou. Alors aujourd'hui est sortie une bannière Ultra, avec le retour de Ultra Végéto Blue. Mmh. Alors je l'ai déjà, on l'a chopé déjà 3 fois je crois. J'aimerais bien l'avoir à fond. Alors évidemment il faut choper encore plusieurs fois. Est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Je ne sais pas. On est sur Ultra Genemba, on s'est mangé un vent. Il y a Ultra Majin Buu qui revient. On s'était mangé un vent une fois. Ce serait plus intelligent que je fasse un tirage sur lui, parce que je ne l'ai pas encore. Mais voilà quoi. Je ne suis pas un joueur de team Regen. Je suis vraiment un joueur de team guerrier fusionné. Donc j'aimerais au moins me débarrasser en montant Ultra Végéto Blue à fond, même si je sais que ce sera pas aujourd'hui. Mais si je peux l'avoir, ne serait-ce que là, en faisant des tirages une ou deux fois, ça le fera monter, déjà. Mmh. Et puis oui, je voudrais bien que ce soit mon premier perso Ultra monté à fond. Voilà, tout simplement. Bon, alors, la dernière fois, on était en compagnie de Clara, on l'avait chopé une fois chacun. Là, on est tous les deux. On a 14 500 cristaux. Je ne sais pas trop ce que contiendra le Legend Festival qui démarrera au mois de novembre. Est-ce qu'ils vont remettre des cristaux pour se refaire? J'en sais rien. Alors on va faire au moins 2 fois le tour des paliers. Ah oui, quand même. Ouais, c'est 3000 le tour d'un palier. Donc bah, deux fois, ça fera du 6000. Okay. Du 6000, il me restera 8000. Et ouais. Peut-être un troisième, il me restera 5000. On verra comment ça évolue. Mmh. Allez, Paul, tu commences? En espérant qu'on ait de la chance, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'Ultra. C'est vrai. Oui, alors, Goku Super Saiyan, les Dragon Ball et tout, on sait très bien que donc, tout ce qu'on attend, c'est du Bardock, du Trunks, du Goku Vegeta Blue. Puis j'ai regardé les persos Legend Limited, bon... Waouh, il n'y a pas plus ancien. Il n'y a pas plus ancien que ce Broly. Oh. Ah bah, bon, écoutez, hein, j'ai traité les jeunes Limited, qui c'était moyen. Bon, c'est le seul qui m'intéressait. Ok, bah, cool. Il y a un très très vieux Végéto Blue, les jeunes Limited, et qui ne m'intéresse plus. Mais ouais, ce truc là, oui, j'aime bien. Je sais pas si j'ai monté à fond ce côté. Faut croire que oui. Taux d'ultra divisé par 2. Ouais, tu parles. Ouais, quand on rechappe un ultra sur le taux d'ultra multiplié par 2, histoire qu'on reprenne la confiance parce que. Que je recueille des témoignages des persos qui ont eu le travail Végéto Blue sur ce. Sur ce tirage. J'ai les yeux rivés sur la direction de la boucle qui arrive. Ouais. Waouh, il y a eu un sparking au moins là. Ah. D'accord. Ah bon, ok, ça fait monter, mais je sais que j'ai pas bien monté, donc au moins ça fait... Bon, pas bien monté, il est déjà 7 étoiles, tu me diras. On continue. Le prochain est gratuit. Pas télécharger. Ah si. Ah, si. Bon, vraiment rien de spécial. Ah ouais, vraiment rien. Ok.
Complètement, on m'a dit qu'il y avait trop d'héros dans cette bagnole. Ouais, le taux de drop de héros est trop augmenté en fait. Bizarre. Contrairement aux autres bagnoles. Oh non, je la fais. Le 28. Eh, si on n'a rien comme ça, on n'en fait que deux, hein, on va pas plus loin. Hein. Oh, c'est dingue, c'est dingue. Il n'y a rien qui me donne envie de continuer. Alors que, oui, c'est vraiment le problème des bannières ultra, quoi. Ah oui, c'est vraiment rien. Après, on va se remonter le moral. On va faire un tirage sur une bannière à tiquer de deuxième unité et nous faire plaisir. Sauf si Ultra arrive et on continue. Le GRMD en ancien GRMD déjà bien à fond depuis longtemps. Donc celle-là c'était la gratuite, donc on refait un tour. Ok. Ouais. On va descendre jusqu'à 8000. Si on chope à un Végéto Blue entre temps, on continuera. Sinon, on s'arrête. C'est très très basique. À part la téléportation. Ouais, mais je ne sais même pas si. Si ça donne un VR1 F. Ouais. Encore un troisième, ok. Oh bah ok. Bon allez, trois sparkings, mais trois vraiment bas de gamme. Hein. Hop hop hop. Et lui, comme ça, ça monte à fond. Ok, c'est fait. Allez, notre fameux taux d'ultra. Comme le premier tirage. Ouais, ce que j'ai dit. Non, rien de plus. Pourriture de héros. Trop vieux. Eh ben, dis donc. Oui, quand même. Ouais, celle d'avant était mieux. Le prochain est gratuit. Allez, plus que deux, et puis on va voir. Je crois que maintenant, dans un. J'ai pas eu de téléchargement. C'est vrai. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne pense pas. Ouais, non. Je pense pas. Saiyajin wa yudan naran. Saikon. Shikata nai. Urae. Oh, c'est horrible. Ouais, là, c'est triste. Hein. C'est horrible. Oh, ouais, bah alors, là, je peux dire que c'est encore plus triste. Le allez, dernier. Le gratis, on pourra pas faire pire que celui-là. Téléchargement. Oh, c'est juste une bonne animation. Avec. Ça change. Oh.
une bonne animation, tu disais. Oh, faut qu'il perde. Oh non. Il a toujours gagné. Bon bah là, il n'y a plus qu'à espérer. Depuis qu'on le sait, il a toujours gagné. Oh non, mieux. Allez. Non, c'est pas le bon. Il y a du sparking, mais c'est vraiment pas du sparking de ouf, malheureusement. Bah, dommage. Eh ouais. 5 sparking quand même. On s'est bien viandé sur ce coup-là. Qu'est-ce qu'on fait pas là? On fait un troisième passage ou pas? Bah, on sera à 5000. Ouais. Donc, on va refaire un troisième passage. Ok. Et puis, qu'à espérer maintenant? Oui, en fait, je suis basé sur l'espoir, comme vous pouvez le constater. Oh, oui, ça change. Tu sais, t'as fait longtemps que t'as pas eu Golden Freezer. Oui, un gros coup d'entrée comme ça dans l'espace. Ah, que la musique, elle change. C'est vrai. Bon, il a gagné. Mais bon, je veux quand même voir. J'ai 0,0001% d'espoir là. Mais il y en a un. Très vieux, malheureusement, il est déjà fond. Bon, ok. Maintenant, c'est que faut pas attendre grand chose. Mais c'est étrange quand même, parce que des Goku Blue qui perdent, on n'a jamais vu. Des Broly avec la faille, on n'a jamais vu non plus. Je sais pas ce qu'il nous faut, mais... Bizarre. Ah, et on retrouve les animations de merde. Oh. Allez. On va y croire, ok. Transforme-toi en Blue. Non, c'est pas grave. Je crois que ça garantit un ultra. Tu crois? Ouais. Eh ben, on va te fixer. Ah bah là, il perd. Vegeta Blue. Ah oui, c'est sûr. Ouais, je crois que ça garantit un ultra. T'es sûr? Parce que... Ouais. Je me rappelle quand on avait fait avec Clara, on avait vu, mais... C'est soit un LF, soit un ultra. On va être fixé. Alors, les LF, j'en ai rien à foutre là sur ce coup-là, je te dis. Oh oui. La vache. Oh, que je regrette pas ce troisième tour. En plus, c'est taux de ultra x2. Et ben. Ah ouais? Ouais. Oh, bah, Il est stylé quand même, hein. Ouais, et comme ça, il est bien monté. Pas encore à fond, mais on continue. Oh, que je regrette pas ce troisième tour. Parce que le glissé arc-en-ciel, bah, c'est garanti un ultra. Ouais, c'est annonciateur. Surtout, j'avais peur que ça soit un bleu ou un truc du genre comme d'habitude. Ah, ça, en plus, non, je crois que j'ai déjà fond. Alors, on est en... Allez, quand même, regardez. Je crois qu'encore un. Encore un, et il sera à fond. Ah là 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 là. Bah, vas-y, Paul. Ouais. Bon, alors, je sais que demander à ce qu'il tombe là encore, ce serait un peu trop demandé. Hein. Je suis déjà bien content qu'il soit tombé. Bon, j'aurais préféré qu'il tombe sur les deux premiers tours, mais on n'est pas plus loin. Mais je ne regrette pas d'avoir insisté, parce que j'insiste à chaque fois, je dis on refait dans beaucoup de vidéos. Oh, mais quoi? Bon bah... Bon alors, notre Paul disait que Arc-en-Ciel garantissait un ultra. C'est exactement la même animation. Pour ceux qui ont des doutes, vous allez avoir confirmation s'il dit vrai ou pas. Je n'ai pas de doute sur ce qu'il dit. Mais quand même,
une confirmation nous fera tous plaisir. Merde, c'est un Sparky. Oh, j'adore ce Sparky. Ah ouais? Oh, qu'est-ce qui est chiant. Oh oh, Paul. J'ai peur là. Ouais. Bon, je suis content de se percevoir aussi. Mais j'ai peur, je te le dis tout de suite. Là, c'est l'effet du nuage et de Vegeta Blue. Après, il va y avoir l'effet du glisser. Ouais, mais le glisser. Non, pas de. Ouais? Eh ouais, ça ne veut pas dire. Eh ouais. Oh. Confirmation à l'eau. Pour moi, on a juste vraiment pas eu de chance, hein. Ouais, ouais, maintenant, bon, bah, on sait. Alors, non, c'est plutôt qu'on a eu de la chance d'avoir eu l'ultra, même en voyant le truc arc-en-ciel, parce que ça ne le garantissait pas. Ouais. En même temps, c'était taux d'ultra x2, donc. Ouais, mais même, dans le taux d'ultra x2, on a quasiment jamais eu. Elle est jamais 203. La troisième. Quoi, arc-en-ciel? Ouais. C'est ouais, possible. Mais ça ne garantit pas. Ouais, c'est vrai. Hein, on a bien vu. Ah, ouais, non. Eh. Allez, père. Pour une fois super, dans ta vie, père. Ah, vas-y, casse-toi. Il y avait une chance. Direct. Il est pas mal ce troisième tour, hein. DLF, des bons Sparking, l'ultra. Ce troisième tour récompense les deux pourris premiers. C'est pas français, n'est-ce pas? Et là, tu finis sur un ultra. Bon, ah, c'est le dernier. Merde. Dommage. Bon, bah ok. Bon, bah, ce qui veut dire que notre aventure de monter Vegeta Ultra à fond n'est toujours pas terminée. Il nous en manque un. Ça va être long. Ouais, alors bah, je pense que bah, on va faire la pause, Christo. On fera des tirages lors du Festival Legend. Et puis quand il va revenir encore une fois bien plus tard, hein, dans quelques mois, et bah, on essaiera de la monter à fond. Exactement. Voilà. Et bah. Bon, allez, on va passer en mode bonus track. Hop. Voilà. Un légende limité de garantie à chaque tirage. On peut le faire que 5 fois. Ah, quand même. Oui, ça veut dire que j'ai trop de tickets, alors. Voilà. Oui, non, mais c'est élève garanti, de toute façon. Il n'y a pas d'ultra, quoi que ce soit. S'arrêter sur une bannière ultra, j'ai arrêté pourtant, là, mais bon, c'est du garanti. Donc, C'est exactement la même animation. Bah oui. Ah, direct. Oh, je crois que ça va me monter à fond, je suis pas sûr. Ah, bah cool. Alors c'est un légende limité garanti par chaque tirage, mais on peut peut-être avec de la chance en avoir plusieurs. Après c'est tous les élèves, et beaucoup d'élèves sont pourris. Mais Gogeta et SSJ 4, c'est très bien. Le jour où ils vont passer Zen, K7, c'est là. Bon bah non, bah c'était le seul. Et non, il est pas à fond encore. Il manque. Ah, wow, oui. Il manque encore un et j'arrive à fond. Allez, bon, on continue. Téléchargement. Qui ne veut plus rien dire, on est d'accord. Bon. Au moins la faille, pour voir. Juste pour voir, parce qu'on sait qu'il y aura du LF. C'est vrai que je m'attendais à avoir du Broly, moi, dans le bannière Ultra. C'est vrai. Mais à chaque fois que je vais les fight, je me dis « Ah, Broly va arriver là, mais non. » Surtout dans la lave, mais je voyais pas dans les montagnes. Toujours pas la faille. Et pas de faille. Ah, mais... Ah. Bon, ça fait bien monter, lui, à chaque fois. Hein. Dire que j'ai dépensé pas mal de pouvoir Z de la jeune unité d'exprès pour le faire monter, pour qu'il ait passé Zenkai 7 pour avoir 7 étoiles et l'unité Zenkai 7.
Là, je sais pas combien d'étoiles il est monté, mais on va voir ça après. Je l'ai peut-être trois fois, je crois. Je sais pas, les LF, ils arrivent au tout début. Ouais, j'ai remarqué, avant c'est à la fin, maintenant c'est au début, ok. Attends. Ouais, non, pas le nombre d'étoiles. Plus que... 3. 3. Et comme ça, on voit les animes. Mais bon. Ah oui. Goku Blue, Golden Freezer, le vaisseau. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre de plus? Glissé basique. T'as intérêt à gagner. Hein. Mmh. Voilà. Ah ouais. Voilà. Au début. Ouais, voilà. Voilà un pourri. Un bien pourri. Oh, il est très vieux. Bon, allez. Encore deux. Ouais, je m'attends plus à un bruit dans ce genre de décor de mon décor. Ici rouge. Pas de bruit. Trop simple. Oh. Trop simple l'animation. Ouais. Et là, F. Bah oui. Écoute, il sort un peu trop rarement celui-là, donc sa sortie, c'est pas mal. Par contre, j'ai jamais eu de tirage avec deux LF. Tant mieux celui de base prévu à cet effet. Et le dernier. Ça le fait monter. Ok. Encore un. J'aurais aimé qu'il me donne un LF que j'ai pas, au moins que j'ai pas monté à cette étoile, histoire de bien le monter. C'est vrai. Vaisseau. Oui, il va y avoir une transformation, je pense. Je peux laisser ça comme ça. Du genre celle-là. Saiyan, voilà. Ah ouais. Et un Broly pour finir. Va-t-on finir avec la faille de Paul? Moi, je l'appelle la faille de Paul, hein, parce que Paul l'a vu, mais moi, j'ai jamais vu. Hein. Ouais, non, je pense qu'ils ont fait du montage à ce que j'ai vu. Ouais, je pense que ça n'existe pas. Ouais, encore un que j'ai déjà bien monté. Je dis pas encore à fond. Mais j'ai déjà bien. Déjà à fond. Ça, ça ne m'intéresse pas. M'intéresse pas. Bon. Bon, bah, j'ai pas à me plaindre. Hein. Ouais. Bon, écoutez, pour ce qui est de votre côté, j'espère que votre chasse au ultra super végétaux Godbout se passe bien. Comme vous pouvez le voir, nous, il nous en reste plus qu'un et on l'aura bouclé. Allez, bah, on se redit tous à très bientôt, à mon avis, pour le tirage du Legend Festival, je pense. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Blue. Blue. Goku Blue. Ouais, ok. Ouais. Alors, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter Blue. Et nous, on vous dit à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut.